Chers frères et sœurs camerounais, bonsoir. Moi, c'est Boris Sandeux, jeune étudiant camerounais résident en Allemagne, déjà environ 3 ans et demi. Et j'étudie la filière de génie industriel à l'université de Lippstadt. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir présenter la ville de Lippstadt à cet événement camerounais. Et de ce fait, je voudrais déjà, d'un premier temps, dire merci aux organisateurs du Challenge Cameroun 2015 qui, sans lesquels on n'aurait pas pu participer à cet événement. Pour ne pas dire, je n'aurais pas pu faire cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais aussi pouvoir dire un grand merci à tous ceux qui, de près comme de loin, m'ont soutenu et encouragé à aller de l'avant dans ce concours. En tant que jeune garçon étudiant camerounais, j'ai des hobbies. Et ces hobbies, j'aimerais bien les faire part de ça avec vous. D'un premier coup, j'aimerais déjà dire que comme hobby, j'ai cette habitude de rencontrer des amis. Ça, c'est dans mon quotidien. De mon quotidien, rencontrer des amis n'est pas une chose inhabituelle. Pour aller manger, pour aller se balader, pour aller rencontrer des bobas, pour aller raconter des histoires, pour je sais pas trop quoi. Tout ce qu'on a fait des amis, si je peux dire comme ça. Entre autres, j'aime bien jouer les jeux vidéo. Ou encore bien, par exemple, j'ai cet avantage, j'ai ce talent d'aimer l'ordinateur. Je ne suis disons, pas un expert en informatique, mais en IT. Mais j'aime l'ordinateur, que ça devient mon hobby. Je ne peux pas passer une journée sans toutefois toucher à un ordinateur. Et un de mes plus grands et préféré hobby, c'est le préparer. J'aime préparer. Et préparer, je le fais volontiers. D'ailleurs, ça goûte quand tu goûtes ton puissant que non, vraiment, ça a de la valeur, ça a du goût. Aujourd'hui, je participe au challenge camerounais avec des raisons particulières. Déjà que je vais admettre que le challenge camerounais Miss Master, particulièrement, c'est une compétition qui met en valeur les effets, qui met en valeur les talents physiques et les talents intellectuels de tout candidat qui a présenté sa candidature à cet événement. Deuxièmement, à travers cet événement Challenge Cameroun 2015, j'aimerais pouvoir représenter la culture camerounaise, non seulement au petit coin de mon village Lippstadtien, mais aussi avec tout le monde. Donc j'aimerais vraiment que notre culture soit aux yeux de tout le monde, soit montrée beau aux yeux de tout le monde. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez eu un peu d'informations me concernant sur les raisons pour lesquelles, ce qui je suis et sur les raisons pour lesquelles je participe à ce challenge Cameroun 2015. Et je compte sur vous pour pouvoir obtenir des likes. Pas des likes par rapport à l'aspect physique ou bien je ne sais pas quoi, mais des likes par rapport à qui je suis. J'espère que la vidéo vous plaira. Cheers, peace.